Meisha. Madame a pris de Meisha. Kalomba, président élu Martin Fayulu, candidat numéro 21, Aweze Kouikala Kidogo. Mbele tumupatie neno, kuna kwa watoto ya Butembo, ambao walisema wanapenda watumbiro mweni. Wakatumbiro mweni yo watikwe. Tutaita wale watoto ya Butembo ambao walisema watasongea mama Esther na president Eli Fufu. Tutasema waweze kufika mbio bapane kitu ya kupokea mgeni. Bako wapi? Mbele mgeni aweze kuanza kukamata neno. Kama wakakuwa tayari, tutapita kwa etape ingine. Tutaomba wafike kwa upesi sana, sababu tugomboe muda. Benzetu ya ile kikundi, kama wanabayafika, manake matafika. Wako wanakuya, wako wanakuya, tunaweza piga mikono kuwashangilia, kuwakuraje, wafike, wafike, wafike. Wakatumbiro mweni, wafike, wafike, upesi, kusudi president Eli, candidat numéro 21, aweze kukamata parole, akisha kusikia moya bienvenu ya watoto ya Butembo. Mukuye mbio, mukuye mbio, mukuye mbio, mukuye mbio. Karibu, 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 karibu. Karibu, karibu, karibu. Alors, pour exprimer leur joie, il y a des fils, des filles de Butembo qui ont passé. Monsieur le Président, vous exprimez votre leur joie pour nous accueillir. Nous voulons les retourner justement pendant une minute et après quoi vous allez prendre la parole. Bienvenue, Karibu, Karibu Sana. Soyez les bienvenus. Monsieur le Président Élu, Papa Mamadi qui fait tout le monde. Ça, c'est ce que nous appelons une chèvre. Et dans la bataille, il y a encore une fois avec une chèvre, c'est pour te donner le pouvoir. Donc, nous, en tant qu'un autre, nous avons un peu de temps.
sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison, vous êtes déjà fils de chez nous. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ça veut dire que c'est mon boulot. J'aime bien quand vous dites ma dite. Merci. C'est un beau, c'est chez moi. Ce n'est pas vrai? C'est chez moi. Je suis ici chez moi. Alors, si vous me donnez le pouvoir chez moi, je le prends. Merci beaucoup. Accenti, accenti. Merci, Kisanga. On a vu tout à partir président avec un matin déjà le micro. À toi, message de Nikunayo, le 20 décembre, le mini, à la fois, Bahada, il y a pour nous. C'est ma message, il y a que comme à Kawaïda, à ta, on a, dans la gagne, ta panne, à ta conclure, là, Bahada, à pour tout à l'heure, à compétir à quoi, Mambo, Iguine. Monsieur le président élu, numéro 21, vous avez la parole. Alors, pour les Aéléouana, bien dit à moi traduire mon swahili. Alors, yeye aseme mon français ou aseme mon lingala. Mon français. Bandugu, jambo, jambo, jambo. Vous avez dit que je parle en français. Mais c'est aseme mon français. Mon swahili n'arrive pas, mais j'ai déjà beaucoup de pas, mais j'attends que ça s'améliore totalement pour tenir un discours en swahili. Swahili a été engagé dans ma poste qui donc on a dit qu'on a jefunza. Anangojea qu'on a fait un groupe sana kusudiaweze kusema na swahili. Quand vous parlez, je comprends à plus de 50%. Wakati unasema anasikia 50% et niko nasema mswahili. Mes frères et sœurs de Butembo. Wadada na wandugu yangu wa Butembo. Vous avez souffert. Vous meteseka sana. Et vous continuez à souffrir. Na mnaendelea kuteseka sana. À cause. Wamafoto tazigawanya nyuma, wamafoto tazigawanya nyuma. Utilisez contre un message à président. Vous continuez cette souffrance. Il est ma tête, il est embêlé. Continue à cause des irresponsabilités du gouvernement ou des différents gouvernements qui sont passés au Congo. Il est ma tête, il est embêlé. Ça va pour y avoir un bon zimoubaya. Amba, il est embêlé. Comme il y a Kamingi dans le pays du Congo. Notre pays. Inji et tout. C'est un grand pays. Mais Inji Kubwa sana. Au cœur de l'Afrique. Katikati Afrique. Lumumba avait dit non à la balkanisation du Congo. Lumumba lisema a choisi Kika Inji et Kabulio. Aujourd'hui, Léo Sassa, avec la complicité de certains Congolais. Avec Kushiriki pour accompagner Fulani Fulani. Monsieur Kagame et Monsieur Museveni. Kagame na Museveni veulent balkaniser le Congo. Wanataka kugawanya Congo. Est-ce que nous allons accepter ça? Est-ce que tu t'as dit d'aller? Est-ce que vous, les Congolaises, les Congolais, vous allez laisser que le pays soit balkanisé? Non. Voilà, mes chers frères. Mes chers sœurs, Bobozangu Dadazangu, nous avons un pays à défendre. Tout qu'on a injama pour n'a pas pu gagner ici Gabouliwe. Nous avons l'intégrité territoriale à défendre. Pour n'a pas pu piquer à Situnyangani à mettre moi à Indietou. Nous avons dit que le Congo restera uni. Tu sais ma Congo te battre à moi. Le Congo un et indivisible. Congo moya ya bila kugabuliwa. Ningala faut dire ça en swahili. Congo ekolobo. Congo injingapi. Congo injingapi. Congo in
les créateurs de Dieu. Kama tuko viumbe vya Mungu. Dieu a créé le monde. Mungu aliumba dunia. Il nous a donné le Congo. Akatupatia Congo. Et il nous a demandé de garder le Congo. Nakatupatia majukumu ya kuchunga Congo. Il nous a demandé de construire un pays libre. Alikuomba tujenge inji ambayo inakuwa huru. Un pays fort. Inji ambayo inaheshimika. Un pays digne. Inji ambayo iko na heshima. Et un pays prospère. Na inji ambayo iko na maendeleo kwa watoto ya inji. Pourquoi cette vision ne se matérialise pas? Sababu gani hatujenge inji kuwa kubwa na ya maendeleo? Simplement. Sababu ni moja. Les autres ont décidé de nous donner des dirigeants, des leaders faibles. Sababu wale ambao wanapenda kutawala na kugawanya Congo waliamua wako wanatupatia viongozi ambao hawana nguvu, ambao hawana uwezo. Ils ont décidé de nous donner des leaders manipulables. Waliamua wako wanatupatia wa president na viongozi ambao watakuwa wanatelecommander. En 2018. En 2018, vous n'avez pas voté. Vous avez voté de votre façon. Vous avez voté de votre façon. Mais ceux qui ont voté ailleurs, ils m'ont donné 62,11%. Président 62,11%. Cela veut dire ceci. Il n'a pas mis ça ici. Si pour Tembo, comme pour Tembo, Beniville, Beni territoire, Yumbi, avait voté. J'aurais plus de 70%. Ça y est, on n'est pas de caribou à 74%. Mais, la Sini, ceux-là, vale, qui ne veulent pas être intelligents, capables. Venir à la peine du Congo, il faut que l'on soit en train de se faire. Un leader patriotique. Kiongozi mwenye anapenda nchi kwa kweli. Un patriote affirmé. Muzalendo wa kweli. Un leader compétent. Kiongozi mwenye iko na uwezo pana médiocre. Un leader qui a un CV, qui a un curriculum vitae bien rempli. Kiongozi mwenye alishakatumika vitu vya kuonekana. Un leader qui peut articuler les problèmes du pays. Kiongozi mwenye anaweza kuleta solution kwa problème za inchi. Ils ne veulent pas de ces leaders, mais hawapendi kiongozi wa vile akamate kichwa ya Congo. Le président du pays est élu par son peuple. Président wa inchi anachaguliwa na peuple yake, hapana kukuwa nomé na inchi za inchi. Mes frères et sœurs, beaucoup de Dabazango, nous allons bâtir un pays libre, fort, digne et prospère. Tout à l'heure, Inji, Ambaï Kohuru, Ambaï Naendelea, Ambaï Naheshimika. Nous allons faire du Congo, tout à fait, Congo, comme Lumumba l'avait dit en 1960. Kama vile Lumumba lisemaka kwa 1960. Le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Congo ikuwe ndio centre ya maendeleo ya Afrique yote kwa jumla. Aujourd'hui, le développement de l'Afrique tarde à cause du Congo. Leo maendeleo ya Afrique yote inasimama sababu ya Congo. Dieu nous a tout donné. Mungu alitupatia vyote viwezekanavyo. Regarde Butembo, regarde la beauté de Butembo. Angalia uzuri ya Butembo. Je prie le Seigneur. Naomba Mungu. De nous avoir donné un si beau pays. Tunamshukuru sababu alitupatia nchi nzuri kama hii. Nchi yenye iko na utajiri mwingi. Un pays avec des habitants capables. Nchi ambayo iko na wananchi ambao wako na nguvu sana. Des habitants capables de relever les défis. Wananchi ambao wana uwezo ya kujenga tena Congo. Les gens de Nord Kivu.
Watu wa Nord Kivu ont démontré, wameonesha, que la balkanisation ne se fera pas dans ces pays. Kama balkanisation haitawezekanaka ndani ya nchi. C'est ça la capacité du peuple congolais. Ile ndio nguvu ya wananchi wa Congo. Maintenant, kwa sasa, je demande au Seigneur, ninaomba Mungu, à notre Dieu tout-puissant, kwa Mungu wetu mwenye nguvu sana, à son fils Jésus-Christ, kwa maana wake Yesu Kristo, que nous puissions avoir le pouvoir de l'État pour développer ce pays. A tuwezeshe kupata uongozi wa nchi ili tufanye maendeleo ya nchi. Parce que sababu nous ne voulons pas atutaki demain kesho quand on va les revoir wakati watawaona qui nous pose la question watuulize je vous ai donné un beau pays. Atulize niliwapatia nchi nzuri. Le pays où coule le lait et le miel. Nchi ambayo kunakuwa asali na maziwa. Le pays où il y a la forêt. Nchi ambayo inakuwa na pori miti. Le pays où il y a des lacs, des rivières et le fleuve. Kuko mabahari, kuko miti ya samaki, kuko mafleve. Le pays où il y a les minéraux de toutes sortes. Nchi ambayo inakuwa na madini ya namna yote. Le pays où il y a les terres rares. Nchi ambayo iko na udongo ya kuzalisha mambo mengi sana. Je vous donne la population. Niliwapatia wakaaji. Qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça? Mulifanya nini na ile mali yote niliwapatia? Nous allons relever les défis, n'est-ce pas? Tutajenga Congo, n'est-ce pas? Merci, merci. À santé, à santé, à santé. Que Dieu puissant, Mungu mwenye uwezo, exauce notre prière. Aweze kujibu maombi yetu. Voilà ce que vous avez dit. Yile ambayo mulisema. Nous avons écrit tout ici. Tuliandika yote katika hii kitabu. Congo ekolo moko. Congo nchi moya. C'est le manifeste que nous avons développé à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022. Ni le programme est en mort, tu n'y pangilies pas à Kisangani, comme les Wassaba ou à moi, quand on lui occupe. Ici, nous disons ceci. Katika Ikitabu, tu n'as pas dit. La première chose à faire, qui te repose à mort tout à fait, c'est l'intégrité territoriale. Ni kulinda umoja wa nchi yetu mpaka yote. Assurer la pacification de notre pays. Ni kufanya amani usalama irudi ndani ya nchi yetu. La sécurité, c'est la clé pour nous. Wa usalama ndio fungulo ya mambo yote. Ça, c'est la première fondation que nous allons ériger pour bâtir notre immeuble. Il est déjà fondation ya kwanza yetu tapanga kwa kujenga nyumba yetu. La deuxième fondation. Fondation ya pili. Nous allons mettre en place l'état de droit. Tutatia haki uongozi ambao unaheshimu watu wote wako sawa mbele ya sheria. La justice est la même pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais. Wote wanakuwa sawa sawa mbele ya mahakama. Comme ça les investisseurs vont venir, que ce soit les investisseurs congolais ou les investisseurs étrangers sans peur. Watu ambao wanakuja kufanya biashara, kufanya makampuni, wakongomani na wageni, watakuja bila woga sababu wanajua sheria inawaprotege. Le troisième mur de fondation. Ukuta ya tatu ya fondation ya nyumba yetu. Nous allons travailler pour la cohésion nationale. Tutatumika kwa umoja wa peuple wote ndani ya nchi ya Congo, umoja ndani ya wakaaji wote wa Congo. Avant 60, on a essayé de nous diviser. Mbele ya independence walijaribu kutukawanya. On a dit diviser pour régner. Walisema tuwakawanye kusudi tuwatawale mzuri. En 1960, kwa mwaka 1960, parlement Kasavubu, le nouveau président avait dit ceci. Kasavubu akasema hivi. Je suis très content
Ninafurahi sana de voir que la cohésion nationale se rétablit peu à peu. Kuona umoja wa peuple yote ya Congo unaanza kurudia polepole. Je ferai en sorte nitafanya kwamba que cette cohésion nationale soit réelle. Nitafanya kwamba ile umoja ikuwe ya kweli ya nguvu sana. Entre autres missions des chambres, ça sera la cohésion nationale. Kazi moja ya parlement itakuwa kuunganisha wakongomani wote. Kongo ekolobo. Kongo inchi ngapi? Kongo inchi ngapi? Kongo inchi ngapi? Quatrième mur de fondation. Ukuta ya ine ya nyumba yetu. C'est ce qu'on appelle la gouvernance intègre. Ile wanaita uongozi ya bila manyanga. Ya tout, ya trop de voleurs au Congo, n'est-ce pas? Nani? Alors, il y a trop de voleurs au Congo. Congo kuna kuwa ba mwizi mingi. L'argent du Congo va dans les poches de quelques citoyens. Franga ya Congo inaenda mu mifuko ya watu fulani kidogo kidogo. Or, toutes les richesses du Congo, c'est pour les 110 millions de Congolais qui vivent actuellement et ceux nombreux qui vont venir demain, après-demain. Pour Tajimani Yote à Congo, il y a 110 millions à Congomani Yote à Léo, dans le Congomani Wengi, à Mawatakou et à Kesho, nous m'aillons. Nous avons dit ceci, nous sommes en cette matière. Nous allons appliquer la règle zéro tolérance corruption. Vous m'avez entendu? Si vous volez, votre maison c'est où? Kama unaiba place yako ni wapi? Ni wapi? Ni wapi? On va vous mettre en prison. On va faire une enquête sur vous. On va vous demander de justifier tout ce que vous avez comme bien. Et si vous n'arrivez pas à le justifier, on vous récupère tout et vous vous êtes en prison. Kama uoneshe nilitoka wapi tunakunyang'anya yote na wewe unaenda mpreso. Avec un état de droit, personne ne viendra vous sortir. Wakati utatia sheria ambayo watu wote wako sawa sawa, hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo kutia kutosha mpreso. Je reviens quelques secondes sur le mur numéro 1. J'ai dit l'intégrité territoriale et la pacification du pays. Narudiria fondation ya kwanza ya kutetea umoja wa mipaka ya nchi ya Congo. Pour l'avoir, kusudi tuipate, nous allons former une armée. Tutaunda jeshi. Une armée de patriotes. Jeshi ya wazalendo. Une armée des enfants du pays. Jeshi ya watoto ya nchi. Une armée bien entraînée. Jeshi ambayo watu wamepata mafunzo mazuri. Une armée bien équipée. Jeshi ambayo inapewa vifaa vya kisasa na vya mzuri. Quand les militaires sont au combat, ils savent que leurs familles sont soutenues par l'État. Wakati jeshi wa askari wako wanapigana, akwe kuvita na anajua kama jamaa yake l'État ili naigaramia. Les enfants des militaires et des policiers sont étudiés de la maternelle jusqu'à l'université. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, Wadada Nandubuzambo, ça ce sont les quatre murs pour la fondation qui nous permettra d'ériger les bâtiments appelés la RDC. Il est donc ukuta ine ya fondation ya kutuhusu sasa tuanze kushenga nyumba ile wanaita
Congo. Mais maintenant, ça, quelles sont les priorités? Priorité Zawapi. La première priorité. Priorité à Kwanza. C'est l'éducation. Ni masomo. On doit donner aux enfants. Tu vas pas s'occuper à Watoto. Une instruction, une éducation capable de les rendre compétents pour affronter le problème du monde. Tu vas pas s'occuper à Watoto ou tout. Ma fondo a maïna wa vuhusu. Waweze kuwa wa kwanza kwa maprobleme zote za ulimwengu. Avec l'éducation, nous allons pousser à l'innovation et la recherche scientifique. Pamoja na ile masomo, tutasukuma watoto wetu kuvumbula mambo ya mupya mupya katika domaine zote. Nous allons pousser les enfants vers les sciences, la technologie et les mathématiques. Encourager watoto kwenda kusoma mambo ya hesabu, mambo ya mathématique, mambo ya kugundua, mambo ya kusaidia. Nous allons adapter notre enseignement par rapport à nos richesses naturelles. Tutabadilisha programme ya masomo yetu kulingana na utajiri na mali ambayo tuko nayo ndani ya nchi yetu. Deuxième priorité. Priorité ya pili. C'est l'agriculture et l'élevage. Mais au climat, nous limons la fougo. Nous allons enrayer la faim. Tout à Piganisha Djala. Nous allons combattre la misère. Tout à Piganisha ou Maskini. Les enfants du Congo doivent manger à leur faim. Watoto wa Congo hawana sheria ya kutokula na kushiba. Ils ont le sol pour ça. Wako na budongo mzuri, kusudi, waishi mzuri, wakule mzuri. Troisième priorité. Priorité ya tatu. Nous allons investir sur la santé, sur l'eau et sur l'électricité. Tout à investir, tu y a afya, tu y a kupata maji mazuri, na kupata ukura électricité ou même. Ah, ici où nous sommes, c'est le groupe électrogène qui fonctionne. J'étais à Isiro, avant-hier, jour-ci, pas d'eau, pas d'électricité. À l'hôtel. Au hôtel. À Kisangani. Kisangani. La même chose. Mais ça va. Et là, d'accord, je viens de passer la nuit. Exactement la même chose. Est-ce que c'est normal? Mais où va l'argent du pays? Ça franga zaidi zinaenda wapi kusudi na mali tuikose? Est-ce que vous avez un hôpital ici capable de faire tout ce qu'on a besoin quand quelqu'un est gravement malade? Est-ce qu'il n'y a pas pour coûter moi tout qu'on a hôpital et nié? Qui la malade et n'y mouta n'a pas de panapatoanayo, à l'aide à coucher pour dix chats par goûter pour compresser. Quatrième priorité. Priorité à une. Les routes. Balabala. D'abord, qualifions ça infrastructure. Balabala, n'a pas moyote ça en aéroport, n'a pas. Voilà, route, rail, c'est le train, l'aéroport, les ports. Et même la connectivité. La Punganisha, Barbara n'a pas d'internet. Nous allons investir sur ça. Pour ta panne, Mali Mendi Katika il est mouradi. Et nous allons investir très rapidement la route Kasindi Mutembo. Tia priorité route Kasindi Mutembo et puis continue na kuendelesha sawa barabara ya Beni Kisangani. Et cette petite route ici Beni Mutembo, nous allons réhabiliter ça très vite. Tutatengeneza barabara hii kwa upesi sana. Et